Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Fâchée la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, s'enfuit Arlequin. Frappée chez la brune, elle répond soudain: qui frappe de la sorte, il dit à son tour. Ouvrez votre porte pour le dieu d'amour. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche à la plume, on cherche à du feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouvera. Mais je sais que la porte sur eux se ferma. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme. Chéri, papa chéri, tu es mon fort et puissant héros. Papa
papa chéri, papa chéri, papa chéri, papa chéri. Papa, dans mon cœur, tu es le premier. Nous ne serons jamais séparés, mon papa chéri. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets ma culotte. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets mes bottes. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets ma veste. Je mets mes chaussettes. Je mets mes bottes. Je mets mon chapeau. Je mets mes lunettes. Je prends mon fusil. J'arrive. C'est l'heure de dîner et voici vos plats préférés. Oh, petit
Il se sert un tas de bons fruits dans son assiette, mais n'utilise pas sa fourchette. Maintenant ses mains sont toutes glissantes et il laisse échapper son verre. Aïe, aïe. Oui, j'ai pas pu le rattraper. Prenez la fourchette dans une main, le couteau dans l'autre main. Goûtez ce bon repas, ne faites pas comme petit canard. Prenez la fourchette dans une main, le couteau dans l'autre main. Goûtez ce bon repas, ne faites pas comme petit canard. Allez, c'est l'heure de dîner. Et voici vos plats préférés. Oh, petit canard arrive car l'odeur l'a attiré. Qu'est-ce que ça sent bon? Il se sert un tas de bons fruits dans son assiette, mais n'utilise pas sa fourchette. Maintenant ses mains sont toutes glissantes et il laisse échapper son verre. Le rattraper. Prenez la fourchette dans une main, le couteau dans l'autre main. Goûtez ce bon repas, ne faites pas comme petit canard. Prenez la fourchette dans une main, le couteau dans l'autre main. Goûtez ce bon repas, ne faites pas comme petit canard. Tout ton temps, tu ne rateras rien. Tout le monde
t'attend. Quand t'as fini de faire pipi, pense à te laver les mains et retourne jouer avec tes copains. Monsieur Poisson, es-tu sûr que ça va? Si tu en as besoin, les toilettes sont juste là. Oh, j'étais tellement occupée, j'ai oublié. Cours vite aux toilettes, cours vite aux toilettes. Tu peux prendre tout ton temps, tu ne rateras rien. Tout le monde t'attend. Quand t'as fini de faire pipi, pense à te laver les mains et retourne jouer avec tes copains. Méfie-toi car si tu attends trop longtemps, tu risques d'avoir un petit accident. Cours vite aux toilettes, cours vite aux toilettes. Tu peux prendre tout ton temps, tu ne rateras rien. Tout le monde t'attend. Quand t'as fini de faire pipi, pense à te laver les mains et retourne jouer avec tes copains. Monsieur Poisson dans la rue se promenait. Quand soudain il a vu un déchet. Souviens-toi Monsieur Poisson, que dois-tu faire dans ce cas? Est-ce que je dois le poser sur le mur? Non, il faut jeter les ordures à la poubelle. Jette les ordures à la poubelle et nettoie bien tes jouets. Le monde sera plus propre et tu seras félicité. Jette les ordures à la poubelle et nettoie bien tes jouets. Le monde sera plus propre et tu seras félicité. Monsieur Poisson jouait au parc avec un joujou. Soudain il a laissé tomber dans la boue. Souviens-toi Monsieur Poisson, que dois-tu faire dans ce cas? Est-ce que je dois continuer à jouer? Non, non, il faut d'abord les nettoyer avec de l'eau. Jette les ordures à la poubelle et nettoie bien tes jouets. Le monde sera plus propre et tu seras félicité. Jette les ordures à la poubelle et nettoie bien tes jouets. Le monde sera plus propre et tu seras félicité. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Pomme de renette et pomme d'api.
Le matin quand je me réveille, j'enlève mon pyjama, puis je prends mon pantalon. Une jambe à droite, une jambe à gauche, mon pantalon main dans les poches. Puis je regarde partout pour trouver mon pullover. Au regard de le voilà, et un bras à droite et un bras à gauche. Mettre ce pull, rien de plus fastoche. Enfile tes habits dès que tu sors du lit. Enfile tes habits dès que ton bain est fini. Enfile tes habits lorsque tu es de sortie. Enfile tes habits avant de te mettre au lit. Le matin quand je me réveille, j'enlève mon pyjama, puis je prends mon pantalon. Une jambe à droite, une jambe à gauche, mon pantalon main dans les poches. Puis je regarde partout pour trouver mon pullover. Au regard de le voilà, et un bras à droite et un bras à gauche. Mettre ce pull, rien de plus fastoche. Enfile tes habits dès que tu sors du lit. Enfile tes habits dès que ton bain est fini. Enfile tes habits lorsque tu es de sortie. Enfile tes habits avant de te mettre au lit. Après ton petit déjeuner, pour avoir de belles dents, dentifrice et brosse à dents, Monsieur Poisson, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se brosse les cheveux? Tu dois bien te brosser les dents, les brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. Brosser tes dents, les brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. Pour prendre soin de tes dents, dentifrice et brosse à dents, Monsieur Poisson, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va peindre? Tu dois bien te brosser les dents, les brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. Brosser tes dents, les brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. Papy Henri avait une ferme très amusante, dans laquelle il avait de nombreux moutons. Il bêle toute la journée dans la drôle de ferme de Papy Henri. Papy Henri avait une ferme très amusante, dans laquelle il avait de nombreuses vaches. Elles bâclent toute la journée dans la drôle de ferme de Papy Henri. Papy Henri avait une ferme très amusante, dans laquelle il avait de nombreux coqs. Il chante toute la journée dans la drôle de ferme de Papy Henri. Papy Henri avait une ferme très amusante, dans laquelle il avait de nombreux ânes. Il braye toute la journée dans la drôle de ferme de Papy Henri. Papy Henri avait une ferme très amusante, dans laquelle il avait de nombreux chats. Il miaule toute la journée dans la drôle de ferme de Papy Henri. Papy Henri avait une ferme très amusante, dans laquelle il avait de nombreux chiens. Ils
aboie toute la journée dans la drôle de ferme de Papy Henri. Papy Henri avait une ferme très amusante dans laquelle il avait de nombreuses poules. Elles caquettent toute la journée dans la drôle de ferme de Papy Henri. Papy Henri avait une ferme très amusante dans laquelle il y avait de nombreux enfants. Il rit tout